Ooh.
Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus à la Cité Bethel. Soyez les bienvenus à la Cité Bethel. Amen. 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 Ok, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui es notre roi. C'est toi qui es notre paix. Ne mange pas. Paix. Et nous sommes devant les enfants, paix. D'autres même ne sont pas des travailleurs, mais ils sont dans les études, dans les écoles. Accepte, paix, que c'est un jour pour y transformer la vie de ces enfants. Que c'est un jour, paix, puis amener un grand changement, paix. Et que ça se que soit le jour de transformation, paix. Dieu de toute gloire, de toute puissance et de toute autorité. Elle ne peut rien faire, Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui est paix éternelle qui transforme. Et que le Saint-Esprit qui parle de Gafor et de l'île. Et le prédicateur qui a choisi de l'amour, c'est le premier jour et de la deuxième journée. Oh Dieu, grand fort et terrible, quand toi tu règnes, Père, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Là où il y a ta présence, mon Rédempteur, qui peut s'opposer à toi, Jésus? Yes. Laisse que Père dise bien à la fin, que tu sois le maître, Père, et que l'ennemi échoue, Seigneur le Sénateur. Glorifie-toi, le Saint d'Israël. Glorifie-toi notre Père dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame le Jésus, le roi des rois. Merci. Merci. J'aime bien la jeunesse. Nous avons évolué dans la jeunesse. C'est dans cette entité que nous avons été propulsés. Qu'est-ce que je veux dire par là? La jeunesse. C'est elle, le poumon de l'Église. L'Église qui est appelée à aller de l'avant doit avoir une jeunesse forte, une jeunesse entreprenante. Lorsque dans une Église, la jeunesse n'a pas d'initiative, lorsque dans une Église, la jeunesse n'est pas entreprenante, cette Église est appelée à disparaître. Je parle de l'Église. L'église locale, d'une assemblée locale, bien entendu. Lorsque dans une assemblée locale, une jeunesse n'est pas entreprenante, une jeunesse n'a pas d'initiative, c'est que cette église n'a pas de longs jours, n'a pas de l'avenir. Mais pour que nous ayons une église qui aura de l'avenir, il faut que la jeunesse ait des initiatives. Il faut que la jeunesse soit à même de chercher la face de l'Éternel. C'est alors que l'Éternel vient répandre sur elle tous les dons ainsi que les ministères. C'est comme ça que cette église-là sera appelée à aller de l'avant. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien la jeunesse. Les amis, parce que nous sommes tous passés par là. C'est de là que nous avons une autre vie. Alléluia. Nous allons nous retrouver. Pendant des jours, des soirées, voudrais-je dire, sous les thèmes selon lesquels le prix du salut est l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, cette invitation n'est pas venue au hasard. C'est une invitation que le Seigneur avait préparée avant que la terre existe, avant que le monde soit. Dieu connaissait ce jour, Dieu connaissait cette date. C'est pourquoi vous avez été invités pour que vous veniez apprendre pendant cette convention le prix du salut et l'onction. Alléluia. Amen. Je n'entre pas dans rien. Vif du sujet, juste je suis en train d'annoncer parce que nous serons des éminents prédicateurs,
des éminents orateurs qui vont nous mettre dans l'ambiance du prix du salut et de l'onction. Car notre mission était de faire juste un mot de circonstance pour vous mettre dans le bain. Je ne saurais finir le mot de circonstance sans que je salue le papa que j'ai toujours aimé, Papa Fili. Si moi je l'appelais Papa Fili, je pense que mes enfants, vous devez l'appeler Coco Fili. Remercions notre pasteur pour l'encadrement, pour les prières qu'il est en train de formuler auprès de notre Dieu tous les soirs, tous les jours, pour que cette jeunesse aille de l'avant. Je ne manquerai pas de saluer aussi en passant notre papa qui est parmi nous. Je salue les mamans qui sont derrière. Je cite nommément maman Marianne, Prise qui est derrière. Je salue maman pasteur. Je salue les mamans. Je ne saurais citer les noms parce qu'elles sont nombreuses. Que Dieu bénisse l'Assemblée et que cette formation ait le succès. Que l'ombre du Saint-Esprit puisse couvrir. Je vais entendre la voix d'une personne qui vient d'Emmanuel. Emmanuel.
tu peux le dire avec tout ton cœur, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel.
Amen. Il y a des mariages du moins cher.
Pardon? Il y a des mariages de moins chers. Les années à ma balle, moins cher. Il y a aussi des mariages de plus chers. Il y a des vêtements de moins chers. Il y a aussi des vêtements de plus chers. Amen. Amen. C'est pour cela que Judas a vendu Jésus. Lorsque Judas a vendu Jésus, après avoir révélé dans sa conscience, Jésus ne vaut pas cet argent. Amen. Amen. Jésus ne vaut pas cet argent. Pour recevoir les salaires, il faut payer un prix. Et pour que Dieu soit loué. Pour recevoir les salaires ce soir, il faut payer un prix. Et pour que Dieu soit loué. Jésus-Christ était vendu, à un prix était déterminé. Mais Judas il avait la capacité d'utiliser cet argent. Comme c'était le chemin pour accomplir la parole du Seigneur, il devait être vendu pour que ton âme ait de la valeur. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on ne trouvera nulle part dans le monde. Là où on va les salir. Que Dieu soit loué. Tellement les salis coûtent. Plus que le veau. Amen. Amen. Plus que les bêtes. Plus que le gros bétail. Dans l'Ancien Testament, lorsque personne pêche. On donnait des sacrifices pour couvrir le péché, mais pour effacer le péché, il fallait un prix, ça soit versé. C'était le prix du sang de Jésus au Golgotha. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. David dit. David Akoloba. Mais le roi dit à Arab. Père mon cousin Alobina Arab. Non. Et je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Na konsomba yango de bali na yo na moto ya na moto ya misolo. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu. Na kotika na kotika ko bonzela yawo ensemble na baite. Des holocaustes qui ne coûtent rien. Bambe na wo ensali na moto ya te. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Et David a sauvé Bambo même pour 50 cycles d'argent. Amen. Amen. David cherchait à offrir à l'Éternel. David a pas eu le capon à tirer à proposer là. Il cherchait à offrir à l'Éternel pourquoi? Et là, pas eu le capon à tirer à proposer. Le péché était entré dans la ville où David gouvernait. Les sous-mots et contacts à égoumer quand il n'est pas eu David à pas eu le capon. Il faut un prix et rachat pour acheter le peuple. Et bon, pas du bon, tout le monde fout à quoi il a consigné le pour abaisser la colère de l'Éternel. C'est pour ça que David a dit, je ne peux pas acheter pour l'Éternel des choses qui ne coûtent rien. Il faut que les choses que nous sacrifions à l'Éternel soient les valeurs, les grands prix. Ce qui est de la valeur aujourd'hui ce soir, je te dirais que c'est ton âme. Je te dirais que c'est ton âme. Amen. Ce qui est de la valeur aujourd'hui ce soir, je te dirais que c'est ton âme. Le salut fait échapper à Dieu. Et salut pour le monde, Amen. Amen. Le salut. Le salut sort. Le bico est allé pour bikis. Le salut sort. Le bico est allé pour bikis. C'est toi pour le monde, on a dit où être sauvé. Pour la bikis. Lorsque le salut nous échappe, nous le fait échapper dans les dangers. Quel sort de danger qui était devant nous? David voyait un danger devant le peuple. David lorsque Dieu se fâche, il a consumé sur le Gomorrhe.
David connaissant bien l'histoire. David voyait mal l'histoire de Romana. Son peuple ont péché devant l'Éternel. Il a voulu apaiser la colère de Dieu. Pour apaiser la colère de Dieu, il faut payer des prix de rachat. Et moi, il faut foutre à mon tour. Le salut qui va nous échapper de mort. Le but qu'on est pour le pisson à l'Iwa. Amen. Amen. Mais pour ton âme ce soir. Parce que pour la tine à mon Dieu a voulu sauver l'homme. Dieu a voulu échapper l'homme du danger qui est la mort qui est côté de l'homme. Il s'est cherché un prix à donner. Il s'est cherché un prix à donner. Amen. Amen. Et c'est pour là c'est Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pour là c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si nous sommes. Si nous sommes sauvés aujourd'hui. C'est pas grâce à Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu soit loué. Amen. Et Dieu soit loué. Amen. C'est pour cela 2 Samuel chapitre 24, verset 24. 2 Samuel chapitre 24, verset. Là nous venons de lire. Et si quand on dit David cherchait à payer un grand prix pour racheter son compagnon. David a parlé avec Luca pour la confuse à mon tour et mon épouse pour la consigne de la bonne année. C'est pour nous faire voir que les amis pour la collecte de biscuits. Les amis est trop cher. Le but qu'on essaye à mon tour et à ma casse. C'est que David avait fait. Oh David a salé. Pour apaiser la colère de Dieu. Voilà pour qui tu s'accorde dans ça. Amen. Amen. Pour couvrir les péchés. Pour la consigne par les sous. Mais ce que Jésus a fait, c'est pour nous sauver. Les alliés pour la communauté qui s'abissent. Que Dieu soit loué. Les salut facilitent à l'éternité. Le but pour les alliés qu'on pense à mon tombé et à mon compte dans la seconde à seconde. Amen. Amen. Les salut facilitent à l'éternité. Le but pour les alliés qu'on pense à mon tombé et à mon compte dans la seconde à seconde. Oui, c'est vrai que ta nation doit venir. Pardon? C'est vrai que la damnation arrivera. Il y a seul la damnation et quoi? C'est vrai que le châtiment arrivera. Pas si ton ignore et quoi? Amen. Amen. Le danger arrivera. Ma kama et quoi? Mais pour être échappé du danger, quand c'est pas la prophétie à ma première et à l'ikama, il faut recevoir les salis. Le bon rico, il n'y a pas le bico. Il faut recevoir les salis. Les gens ont un bon gros à se faire la veille tout. C'était le diable. Vous allez dire diable. Amen. Amen. Diable est déjà condamné. Diable, il y a pas ici, c'est connu depuis le temps. Comme il est connu qu'il est déjà condamné. Le corps est il sait aussi que la damnation doit arriver. Il cherche à amener aussi les jeunes. Que les gens arrivent aussi à tomber dans la damnation. On châtie que la personne qui a commis un forfait. Amen. Que Dieu soit loué. Vous avez beaucoup dit ça. Les salis dans le passé. Le bico n'attend pas là. Le croyant a été sauvé. Mon Christo, to mon dimi. Abikisama. De la culpabilité. Na komikatele tout boya malé komikatele tout boya. Et de la condamnation du péché. Pe na komikatele malé tout boya lissumo. Amen. Amen. Le croyant. Mon dimi. A été déjà sauvé. Asi abikisama. De la culpabilité, de la condamnation du péché. Auparavant, tu étais pécheur. Jésus a payé être condamné. Même dans le passé là, les salis existaient déjà. Parce que Jésus-Christ est né avant le commencement du monde. Avant la création, Jésus était déjà né. Si Jésus est le salut, c'est-à-dire le salut a été déjà donné au passé. Et puis, le but était déjà au passé. À l'époque, tu étais pécheur. Le salut existait déjà. Parce que Jésus était là. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Parce que Jésus, il est l'omniscient. Si il existait déjà,
ce qui a déjà été déjà ouvert par là. Le livre de Samuel, c'est ici. Parce que c'est Jésus qui est le porteur du salut. Parce que Jésus, on voit Jésus. Nous voyons le salut. Parce qu'on voit Jésus. Nous voyons la rédemption. Parce qu'on voit Jésus. Nous voyons la grâce. Lorsqu'on voit Jésus. Nous voyons la vie. Lorsqu'on voit la loi. Lorsqu'on voit la condamnation. Soit loué. Amen. Amen. Mais Jésus dit, Jésus n'y est la femme. Ta foi t'a sauvé. Ta sauvé. Quand il m'a vu, il dit ici. En paix. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvé. Quand il m'a vu, il dit ici. En paix. Il y a une chose qui est cachée dedans. Et ça, il y a pour recevoir le salut. Voilà pour ça. Il faut avoir la foi. Bon, quoi, ça, amen. Amen. Il faut avoir la foi. Bon, quoi, ça, et la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Jésus qui a payé un grand prix. Lorsque nous parlons d'un grand prix, on ne sait pas comment l'énumérer. Amen. Amen. On ne sait pas comment les compter. Ah. Je peux compter les richesses de la RDC. Donc, on peut nous donner le chiffre des biens. Donc, on peut nous donner le chiffre des biens. Et Donald Trump aujourd'hui. Ah, Donald Trump, le. Amen. Amen. Et jusqu'à présent. Parce qu'il m'en est là. On ne va jamais donner le prix de salut. Non, on va penser à biseauté, mon tout y'a le bico. Amen. C'est pour ça que c'est posé. Le prix du salut est l'option. Tu peux acheter les saluts à combien? Tu peux acheter les saluts à combien? Tu peux acheter la grâce à combien? Oh, la grâce est imméritée. Nous avons nous amen. Amen. La grâce est imméritée. Nous avons nous avons nous avons tu ne méritais pas être aujourd'hui jeune. Lorsque tu étais né, il y a eu ce mort. Mais si aujourd'hui tu es jeune, il est grâce, tu es béni. Tu ne méritais même pas. Yo, et Dieu soit loué. Dans le présent,
Il est sauvé continuellement. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude du péché. Pour avoir part à la liberté, pas n'importe quelle liberté, la liberté qui va t'amener à la gloire, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gloires et gloires. Il y a des bénédictions et des bénédictions. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Amen. Amen. Les mots des ténèbres aussi bénis. Il y a des bénédictions. C'est la personne éternelle qui a péché. C'est le salut qui est venu avec Jésus-Christ. Il nous amène la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Ce qui s'est glorifié aujourd'hui par l'air bien. Tu étais pris par le monde des ténèbres. Tu étais pris par le monde des fétichismes. Il s'est glorifié de ça. Et que tes gloires est passagère. Comme le salut nous amène une vie de l'éternité. Le but est de venir vivre sur le monde, il y a siècle à siècle. Et cette gloire est de venir enfant de Dieu et aussi éternel. Quel moment est-ce que vous avez ensemble les années, il y a siècle à siècle. Tournons le dos au mal. Quel moment est-ce que fermez nos oreilles pour ne pas écouter le monde satanique. Donc, on a maté la vie sur la tête, donc on a la voyant comme on dit. Quand les saliers sont à notre porte. Prêtez, le but est dans la vie, vous avez la vie. À la porte de ton cœur, les saliers là. Que Dieu soit loué. Dans le futur, il dit. Il sera sauvé un jour. De la présence du péché. Et dès lors, sera manifesté. Conformément à l'image de Christ. Amen. Amen. À l'image de Christ. À l'image de Christ. Lorsque Dieu voit les êtres des veillards, les anges, lorsqu'ils ont vu Jésus venir avec la gloire de la victoire, Amen. Moi aussi je vois l'image de Jésus. Mais je suis venu ce soir pour te sauver. Avec une gloire éternelle. Que Dieu soit béni. Nous avons une vie sauve. Parce que Jésus est victorieux. Amen. Amen. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Le corps accepte la mort. Les excès de l'immonderie. La vie de Christ, la vie de la mort. Les publicités, la guinouba, des querelles, la et des jalousies. Amen. Amen. Ce sont des choses qui accompagnent souvent les gènes. Si ces choses t'accompagnent, la destinée c'est l'enfer. Ah, et si nous avons les années, amen. Amen. C'est pour cela que Romain nous dit les apôtres nous délivrent les Romains. Les enfants que nous vivons les Romains, marchons honnêtement. Amen. Amen. Si les saliés là, ce qui nous dit que les saliés est honnête. Si tu as les saliés, tu vas marcher dans l'honnêteté. Amen. Amen. Est-ce que tu parles à Jésus? Est-ce que Nazareth pour le bénéfice est moko? Est-ce que tu parles à Jésus? Est-ce que Nazareth pour le bénéfice est moko? Pourquoi les noms? Que Dieu te bénisse. Ça va pas pour la vie, les gars. Que Dieu te bénisse. Ça va pas pour la vie. Et tu frappes par la poitrine pour dire que c'est par ma force que j'ai vaincu le péché. Quand il vient à ton père, on a besoin des années dans les amours, il a gagné la longue de son côté. Par ma vigueur que j'ai vaincu. La macaque n'a pas été dans la longue de Koyiba. Une grâce imméritée. Amen. Amen.
Parlons-nous contre nous tous que. Il n'y a pas un prix à donner pour les salés. Il n'y a pas un prix à payer pour recevoir les salés. Il y a un prix à payer ce soir. Il n'y a pas un prix à payer pour être béni. Il n'y a pas un prix à payer pour être élevé. Jésus a payé un grand prix pour nous. Yes, on a pu dire mon Dieu, on a connu le bon Dieu dans la vie. Amen. Amen. Vous pouvez s'assouvir, vous envoyer. Oui. Je vais te faire une bonne question. Amen. Mais ce que nous devons donner, ce que nous devons donner, oui, on a mis son copain ça. Ce que nous devons donner, oui, on a mis son copain ça. Donc, oh. Donc on a mis son cœur en Jésus-Christ. Ceux qui ont des cœurs purs, verront Dieu. Amen. Et pour avoir un cœur pur, pour se donner à Jésus-Christ. Que le sang de Jésus qui purifie nos cœurs. Les animaux, c'est le sang qui nous a rachetés. Les animaux, c'est le prix Jésus a payé pour nous sauver. Si on peut nous demander le prix. Amen. Esther ne méritait pas de venir la femme du roi. Esther a parlé comme on va dire, comme on va parce qu'elle était une étrangère. Amen. Amen. Qu'est-ce qui manquait qu'on puisse dévoiler qu'Esther était étrangère? Qu'est-ce qui manquait qu'on puisse dévoiler qu'Esther était étrangère? Elle est commune, elle avait tout mon colère, on avait été bon à moi sur Esther. Esther, elle était sous la couverture de la grâce divine. Esther a dit pas mal qu'il a voulu dans ça. Mais si tu as la grâce de Dieu. Est-ce que tu as dit que comme nous voyons aujourd'hui, dans les marchés, on voit les huiles d'onction. Oh, si tu n'as pas l'huile d'olive, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas l'onction. Ah, quelle confusion. Ah, Amen. Amen. Quelle confusion. Comme on dit que l'onction c'est l'onction de Wayne. L'onction c'est l'action de Wayne. Lorsqu'on Wayne, on voit lui. Jésus est merveilleux. Il est venu changer les choses. Il est venu nous éclairer. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, on rendait les grâces sacrificataires. Amen. Les grâces sacrificataires. On rendait les rois. Amen. Amen. On rendait les rois, les sacrificataires. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Zamba Pambo. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait pas un roi. 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 Il n'y avait pas un. Amen. 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 Amen.
Merci.